Damias. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont carrés dans la hure comme Yams. Oh là, j'arrive luxe comme Yams. J'arrive en armure comme James. On a gravé sur les murs les noms des mecs du squat qui sont tombés dans la hure comme Yams. Des croissants de lune sur la chaîne ou des magaines David. Fachote à la haine, on a maqué ta fille. Avec Uxer quand on maquette un feat. J'y mets la beuh dans le pot de Hagen Das. Wesh les gars, ça va quoi? Salut Arcos. KZX, non, je mets pas la facecam, il changeait de PC et j'ai la flemme de mettre la cam. Yo Azix, voilà, je fais un peu de scrim Atlantis, gros. Je fais les scrim Atlantis là actuellement. Merde, j'ai du paquet de loss. Alors, hop. C'est my bad. Yo Wizox. Yo Félix. Ça va, Nexo? Tranquille? Tranquille les gars? What the fuck, comme Wizox, faut que j'aille sur. Attends. Ah si, c'est bon. Vas-y, c'est bon, Wizox. Yo 3X, Yo TM. Ça va, ouais, ça va tranquille les gars. Juste les gars, je me focus sur mon spawn et je réponds après, ok? Et Yana, vous savez pourquoi les villes elles sont en jaune des fois? C'est à quoi, hein? Enfin, c'est quoi le rapport? Par rapport au défi? Ouais les gars, je me focus sur mon spawn et je regarde après, ok? Y'a quoi les gars? Y'a un bug? Il y a 2 mecs, 4 mecs, on est 4. Oh là là, vous voyez, c'est un scrim Atlantis et lui il est rentré en mode pépère hein. Il vient d'attendre 20 minutes pour attendre la clé gros, il s'est fait dérailler le pauvre. Comment il est rentré dans la maison sans pression? Bon, lui aussi il est rentré sans pression gros. Il m'a push en mode j'étais nul à chier lui. Pas encore vos commentaires les gars, hein. Désolé, hein. Peut-être qu'il y en a, ça va faire, ils vont quitter le stream à cause de ça, mais je finis juste le spawn. J'espère survivre. C'est le stream Atlantis pour ceux qui veulent savoir. C'est des bébés. Let's go. En vrai, je vais aller chercher son stuff, hein. Je sais pas c'est lequel d'entre eux mais je sais qu'il y en a un deux qui a un pompe violet et moi j'ai pas de. Et ça je vous avouerai que ça me fait assez flipper. Je t'avouerai que ne pas avoir de pompe ça me fait assez stresser, là j'en ai un. Oui, il a dû me voir. On va laisser tranquille le coco. Hein.
qu'à partir d'un moment on aura plus le droit social hein. Bon, en vrai le souci c'est que j'aurais plus le droit à le tien parce que j'ai déjà 3 kills en fait. Oh, désolé si je finis pas vos coms. Je finis le petit spawn tranquillou là, je pourrais me faire tuer. Je crois qu'il aura plus de stuff hein lui hein. Ouais, je fais quoi? Je les push les gars? Ça se tente, non? J'ai un peu de build. Ok, il est là. Yes! Mais il a pas le droit de venir me tchal lui en fait. C'est qui? Bah voilà, il vient des bulles, il a pas le droit de me tirer dessus. Bah c'est pour ça que je piquais comme un imbécile. Parce que ouais, le souci c'est que lui il a pas le droit de venir me tuer dans les règles. Mais non Mickey, qu'est-ce que tu fais gros? Ah zut. Non, bon je vais pas le report parce que ça doit être un imbécile. Mais en gros il avait pas le droit de venir me tuer. Dans l'escrime Atlantis t'as le droit de tchal co-spawn. Et là c'est le spawn, lui il a rotate. Du coup il a pas le droit de me tuer. Ah, fait chier, normalement il est pas loin de me tuer, bon dommage. Bon, je vais en profiter pour lire un peu vos commentaires du coup. Je vais lancer quoi? Je vais lancer de l'arène solo hein. Moi que là il y avait une clé, ouais mais elle doit dater. Ouais, elle doit dater cette clé. Bon si elle marche pas les gars je vais lancer un peu d'arène et comme ça je pourrai répondre à vos questions plus rapidement. Ouais je marche pas, hop, je vais lancer un peu d'arène les gars. Il y a une équipe à scream. Bon du coup les gars là on va lancer un peu d'arène. Si jamais il y en a qui ont des questions par rapport à ce week-end. Ouais, normalement les gars, je live tous les jours. Et donc en gros là, si jamais les gars dans le chat vous avez des questions par rapport à la solo de ce week-end, vous avez besoin de 2-3 conseils, je peux. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors ouais les gars je liverai pour les World sur la TV Suprématie. Pour ceux que ça intéresse évidemment parce qu'il y en a d'entre vous qui vont les jouer. Mais si jamais je passe en finale et vous non, eh bien je serai en stream du coup pour la finale. Alors non ce week-end je vais pas jouer les bulles les gars, je vais jouer only block. Je vais jouer le spawn block. Je ne souhaite pas jouer les bulles ce week-end. Alors en vrai. En vrai, Wizox, si tu spawns seulement lave, ça peut aller. Ça peut aller, tu vois. Tu peux t'en sortir. Mais faut vraiment pas que la forêt soit contest, que déjà un mec soit passé. Parce qu'ensuite, tu peux passer par le tube d'air et aller au rotate, enfin au rotate des maisons cassettes salty, tu vois. Faut surtout penser à tes rotates, Wizox. Du coup, ça peut être un spawn viable. Mais imagine tes contests, derrière toute la game, t'es unstuff, tu vois. Faudra que t'ailles prendre un duel après, Wizox. Chevalier noir, allez si tu veux.
Y'a une clé? Oh non, j'ai retrouvé une game. Mais Bluzen, ça c'est la clé de tout à l'heure, ça non? Non, non, mais Bluzen, cette clé elle marche plus, gros, ça fait 6 minutes. Possible de mad après. Ouais, slové si tu veux, mais si on joue, ce sera seulement en créatif ou quoi, gros? Parce que je fais que de la solo, de la duo avec ma gueule ou Rose. Ah, je savais pas que le mode arène arrivait en section. C'est un peu d'arène là, je fais tranquille. Je fais un peu d'arène parce que dans les PP, y a quelqu'un qui m'a tué alors qu'il avait pas le droit, du coup ça m'a gavé. Du coup c'est juste du live même. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais merci les gars, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai sorti une petite vidéo tout à l'heure si vous voulez aller checker ça. Ok, vas-y bah j'accepterai juste les slow vers. Ok, je t'ajouterai. Pas de soucis. Mais là 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 j'ai fait d'Atlantis mais y'a plus de game, du coup je lance de l'arène les gars. Là c'est de l'arène, c'est tranquille. N'hésitez pas à spammer l'arène les gars pour train votre, votre spawn solo. Entre vous et moi l'arène je trouve ça éclaté, je trouve ça super nul, ça traîne pas vraiment. Mais ça peut vous aider à train votre spawn. D'accord? Ça peut vraiment vous aider à train votre spawn solo l'arène. Ça va être une galère ce week-end. Hein. S'il me poche dans la merde. Hein. Toi tu dois dans quel mode? Tu traînes ton spawn dans quel mode? Bah justement dans l'arène et dans les Atlantis Scream. Mais là je suis en train de me demander si de spawn directement sur le nouveau coffre c'est pas si, enfin c'est une mauvaise idée un peu. Parce que imaginons qu'il y a un pompe juste au dessus. Tu te fais push gros, t'es mort en fait. Fini le petit spawn les gars. Ce nitro contest. Alors ouais putain. En fait ce qui est chiant dans ce bloc c'est que j'ai pas le temps pour relire vos commentaires genre. Le bug d'un, je sais pas pourquoi j'arrivais tout le temps à lire vos coms. Et là j'y arrive pas. Alors il est où lui? J'aimerais bien savoir où il est. Où es-tu? Où te caches-tu? Ah, il est là-bas.
Oh, c'était ma gueule. Qu'est-ce qu'il fout là, ma gueule? Il a voulu me streamer, Coco le frérot. C'était ma gueule. Mais le problème c'est que j'ai fait pas mal de train, je joue plus en MM. Donc y'en a votre problème, MDR Streamhack, ouais. Ouais, je pense qu'il m'a fait Streamhack. Le problème c'est que j'ai une arme, elle va pas toucher de loin. Alors que lui si. Comme par hasard, y'a un mec qui backstab. Hein. Non! Non, par contre, c'est grave la flèche d'arc que je me suis pris, genre c'est très très grave. Genre le mec il est venu, on est à 8000 km de la zone, il est hors zone gros, il est venu sur moi, c'est un stream hacker ou quoi le mec? T'as quel âge, si c'est pas trop. Ouais, pas de j'ai 17 ans gros. Un skin vert. Est-ce que j'ai un skin vert de couleur verte à part celui-là? Tiens, celui-là il peut bien passer avec ça, non? Non, bof. Non. Non. C'est vrai que j'ai pas de skin vert fluo, genre. Quand tu te coupes pour la première fois de la journée, tu vas dans quel mode? En général, arène gros. Genre arène, tu traînes un peu, tu sais, tu bush un peu tout le monde, tu t'en fous. Tu traînes un peu ton gunfight. Ensuite, tu pars en Atlantis Scream, en général, c'est ça. Atlantis et tous les autres scrims français. Et ensuite, ça peut m'arriver de faire un peu de créatif pour traîner Edit, etc. BF peut-être. Généralement, c'est ce que je fais. Ensuite, ouais, je pars au Scream, je regarde aussi beaucoup de rediff de Scream. Ouais, j'ai regardé les joueurs santé, les joueurs ENA là qui ont gagné. Ils sont super chauds, c'est le duo ENA qui ont gagné la world. Ouais, spawn vers la maison rotée, comme ça je peux bouger partout pour mon stuff. Ouais, t'as raison Swizz. Ça peut être un bon spawn, mais à toi de savoir bien le jouer parce que si t'es contest de maison, c'est bizarre. Y'a des maps pour train lame et le build, alors non du tout gros, juste moi pour train lame je vais en arène où je joue. Et pour train le build je te conseille de faire quelques build fight, quelques box fight tout simplement et de jouer genre, juste de jouer. Mais je traîne pas spécialement dans des maps etc. J'allais vérifier s'il n'y a pas une Atlantis.
Elle était à 18. Dans le doula. Peut-être qu'elle a pas encore lancé, hein, peut-être qu'ils attendent 5 minutes. Non, elle a déjà lancé. T'as mis ça avec le bouclier noir, ça passe crème. Arrête avec ton bouclier noir, quoi. Regarde ce que j'ai mis le skateboard. Changer la musique parce que sûrement qu'il y en a qui aiment pas le boom boom. Je vais mettre du moi pour ceux qui aiment bien le rap. Vas-y, bonne soirée, je bouge. Si je te revends en live, je repasserai un de ces jours. D'accord, pas de si, bah je te souhaite une bonne soirée. Bon courage pour demain, les cours ou le taf, Nexo. Je joue avec une scuff, Félix. Je pense que c'est beaucoup trop beau le Chevalier. Ah bah tu sais le Chevalier, je l'ai joué au tout début quoi, je l'ai joué pendant beaucoup beaucoup de saisons et à force il est bien quoi. Vous aimez bien Electro? Vous préférez quoi? Vous préférez du moi ou vous préférez ma playlist d'Electro? De boom boom. Dak Nexo, bah je te souhaite bon courage pour tes cours gros. Merci gros. Allez, bonne nuit. Plus de questions les gars? N'hésitez pas à spammer les questions pendant qu'on est, pendant que je suis dans le lobby. Hein. C'est là qu'il faut m'en poser le plus. Si jamais vous en avez, évidemment. Je vais spawn l'œil de Grizzly. Alors, El Black, le petit conseil que je peux te donner. Si tu spawn Grizzly, essaye de spawn plutôt au-dessus de Grizzly. Il y a un truc... tu sais, les drones en fer, là, les drones qui volent. Et bah y'en a un juste au-dessus de Grizzly. Et essaye de spawn là, de prendre le coffre et de push le mec qui est à Grizzly ensuite, tu vois. Je pense que c'est mieux. Alors, en gros, ce qui s'est passé pour les cours, c'est-à-dire que j'étais bon à l'école, j'ai eu quelqu'un de ma famille qui est décédé. Et j'ai dû déménager à 800 km de chez moi. Et ensuite, on m'a proposé de reprendre les cours en milieu d'année. À 45 minutes, 1 heure de chez moi, tu vois. Là, j'ai dit, bah ouais, non, je préfère passer mon bac en candidat libre. Puisque j'étais bon, vu que c'était un vieux bac pro, que d'aller en cours, tu vois. Et ensuite, là, il y a eu la World Cup d'annoncer de Fortnite, et je me suis dit, bah pourquoi pas tenter. Pour l'instant, ça marche, et je reste plus... il me reste plus qu'à paf, quoi. Cash prize en scrim. Là, y'a rien, là. Ouais, comme ça, je mets après de l'électro, tu vois. Du boom boom. C'est mon style de musique, mais c'est pour le stream. Mec, t'es beau. MRC Benani. Toi, t'es encore plus beau, gros. T'es le BG. Là, c'est de l'arène, hein, les gars. C'est pas du scrim. Y'a pas de scrim là. J'en trouve pas. Sors, je vais essayer de dormir tôt et pas d'aller duo avec Justicius. J'aime pas trop Nino. Débile. De base, je suis pas trop rap. Le seul rap que j'écoute en ce moment, c'est du Moa. C'est du Orelsan et c'est du Tamso. Et aussi du Nekfeu de temps en temps. Voilà, c'est le rapport que j'écoute. Ouais, ça se passe très bien avec ma gueule. J'ai hâte de refaire la duo avec lui. Merci Gums Gums. Ouais, je vais vous drop les codes si j'en ai, Swizz. Ok, lui il a un pompe. Moi aussi j'ai un pompe. J'entends vraiment rien avec la musique hein, dans le bateau. Hein. Mais quoi, elle lag hein. Il a rotate tout le con lui.
J'aimerais bien savoir où il a rotate. Mais il est parti où le coco? Par contre, si t'as pas 20 ping au max, c'est mort, tu peux rien faire. Oh, c'est jouable quand même en vrai, faut pas croire tout ce que dit sur Twitter, mais c'est vrai que ça t'avantage beaucoup plus si t'as 20 ping. Mais il y a des très bons joueurs à 30-40 ping, hein, faut pas croire. Hein. Nido qui a fait top 5 à une world. 35-40 ping, les gars. Faites avec votre collègue, hein. De toute façon vous êtes obligé. À part si vous avez les capacités de votre opérateur qui peut changer le box. Sinon ça sert à rien de vous plaindre les gars, vous pourriez rien y faire. Oh, ça sert à rien de vous plaindre parce que vous pourrez rien y changer les gars, donc voilà. Mais est-ce que le gadget il s'est pas mort de chute? Il est mort de chute ou quoi les gars, vous pensez? T'as des retards pour les maisons retail. Alors au niveau des maisons retail, comme j'ai expliqué tout à l'heure à... Bah, à toi je crois. Donc tu spawns là, tu vois. Tu spawns là. Tu prends le tube. Tu vas check les maisons là. Tu vas check le pont. D'accord. Tu peux aller check la carrière de pierre ici. Ainsi que ça. Tout en t'éloignant du mec de Fatal, hein, évidemment, on va pas le jouer. Ensuite... Tu peux aller jouer la maison rota de Salty. Si elle est pas loot. Ainsi que le Tetris. Ensuite tu peux aller te poser ici. Si tu rotas Tetris, regarde, tu rotas Tetris, tu vas ensuite tu vas ici là. Sur le drone ici. Voilà une possible rota que je peux te conseiller en fonction de la zone. Et si la zone elle est côté nord de la map, tu peux aller voir à la lave si c'est loot. Là, tomato, les dépôts. Faut juste que toi tu scoutes avec en fait avec le tube. Toi ton objectif c'est que ça va être de scout. Bah moi j'ai 60 MP constant et je suis quand même extrêmement monstrueux, on peut se le dire. Ah ça se peut gros, 60 ping, bah si par contre 60 ping c'est... Je pense pas que c'est jouable genre pour vraiment bien perdre. Les gars, le mec au start il est mort. Il doit y avoir un pompe par terre. Il y a moyen de s'y suicider ou il a quitté la game en vrai. Il y a un code blizzon. Ah mais non, le code c'était il y a 5 minutes, Blizzard. Ouais, tranquille Blizzard, je finirai ma petite arène, là je vais slay un peu, enfin je vais essayer d'aller push. Moi je joue deux endroits différents, chez ma mère je tape du 25 de ping, et chez mon père c'est minimum 50 avec 300. Ah merde. Bah j'espère que tu seras chez ta mère. Frère, j'habite au Maroc. C'est vrai que ça doit être chiant d'habiter au Maroc. 60 de ping pour du Maroc, ça va, ça passe non? Je connais un mec qui joue aussi dans les réseaux africains. C'est Dwayze. Vous aimez bien ce skin? Oh il a des pantoufles burger gros. Mais j'y regarde la langue. Là j'ai pas de spawn pour samedi, j'ai grave besoin de ton aide. Alors t'as pas de spawn pour samedi. Blizzard, t'as pas de spawn. Et tu veux spawn bulle ou pas? Putain, j'ai regardé les commentaires. Trace, m'en fiche de jouer avec des mecs de manette ou pas grand. Moi je veux juste jouer avec mes potes. Il était où? Il était où le con? Vous l'avez vu? Maintenant qu'est-ce que font les bulles là?
Le bloom de la scar il a été augmenté ou quoi? Quand je vise, le viseur il est moins précis. Oh non! J'ai oublié qu'il avait un arc. À mon avis, il a forcé pour me jouer, lui. Il a dû se prendre une balle dans le dos. Le souci de ce week-end, c'est qu'ils ont racheté les bulles, sauf qu'ils ont enlevé beaucoup de bombes ténébreuses. Et je trouve ça con parce que, genre, les bombes ténébreuses, c'était vraiment ce qui pouvait contrer à la limite les bulles, quoi. Mec, on te donne pas tout ce que t'as, samedi, repose-toi avant. Ouais, bah oui. De toute façon, on va être beaucoup en. Bah là, de base, je suis à la GH, tu vois, moi. Mais ce week-end, il y a énormément de monde qui vont venir à la GH. On sera beaucoup, on sera en petit comité. Et non, ça va être cool ce week-end. Ma gueule, ça y annonce. Mais. T'es quoi, quoi, quand Diffish, il est déjà annoncé, gros. Il a été annoncé. Il est venu en bootcamp ce week-end. Gros. On a quelqu'un spam son mur dedans. What? Mais qu'est-ce qu'il fout dans l'arbre? Là c'est ce qu'on appelle la fuite hein. C'est ce qu'on appelle une grosse fuite. C'est à dire les noisettes d'un coup vous voyez elles ont rétréci hein, de mon côté. Spawn au bloc. Ouais les gars je spawn au bloc les gars. Ouais t'inquiète grand. Non mais ça a pas build. Let's go. C'est un joueur français en plus. C'est moi ou beaucoup de gens jouent la boule même en solo. Ou quoi? Ou jouent beaucoup moins la dé... Ah ok, en gros je pense que la théorie c'est que beaucoup moins de gens jouent la boule. Parce que pendant 2 semaines on a train sans la boule tu vois. Ça paraît logique, genre moi là ce week-end si je joue pas la boule, c'est uniquement parce que genre je l'ai pas train. Mon spawn avant boule était là, en demi-finale j'ai fait 56 points grâce à cette boule tu vois. Et genre, enfin je joue plus la boule quoi. J'ai train le bloc, maintenant que j'ai train c'est mon spawn tu vois.
Panic Gun, je peux rentrer ça. Bah évidemment Blizzen. Je pense que si tu rentres bah de toute façon, si quelqu'un, si un français va à NY ou quoi, mais... Si un français va à NY, je pense que c'est Y le contact, je pense. Évidemment, ça j'en ai aucune idée, je me gère pas, c'est leur affaire. Allez, I need shield, et bah c'est moi qui a besoin de shield. Ils savaient pas que c'était moi qui avait besoin de shield, les gars, je crois. J'ai bien lance Broly. Je vais lire un peu vos questions. Bon, j'ai un stuff de merde, bon. Bon, moi j'imagine. C'est quoi tes meilleurs top en finale Yoda, Dio et Solo? Alors j'ai pas vraiment joué, mais alors j'ai en coupe en, j'ai fait top 34. En duo World Cup finale, j'ai fait top 43. Et en solo, j'ai fait top 11, mais sur un compte d'un autre gars. Du coup, ce qui n'est pas compté vraiment comme une perf parce qu'on n'avait pas le droit, tu vois. C'était pendant la première semaine, j'ai fait top 11 sur NRX WAS. C'est moi qui a joué. Et ensuite, je me suis fait ban 2 semaines. Un spawn ball pas trop contest. Alors mon spawn ball pas trop contest, j'en ai aucune idée gros. Je ne vais pas jouer les bulles ce week-end. Du coup j'en ai aucune idée pour te conseiller un spawn ball. Mais vraiment hein, je suis vraiment désolé pour ça. Ouais les gars, je suis encore à la JH là actuellement. Mais je vais réfléchir pour toi. Alors un spawn ball. Le problème c'est que tu demandes un spawn ball pas trop contest, mais tous les spawn ball sont contest. Le vrai souci c'est ça gros. Et je dirais que peut-être le moins conteste des spawn bulles. A limite, alors un spawn bulle que je peux te conseiller, ce serait de spawn là. Ouais, mais non, non, parce que là, faut gagner ses duels là-bas. En gros, parce que là, faut gagner ses duels là-bas. En gros, parce que là, faut gagner ses duels là-bas. En gros, avec. Donc j'ai fait top 43, on s'est fait 1000$, je crois, à deux. Donc ça, ça fait du 450$ chacun. Un petit tuto d'ailleurs. Les gars, on va rentrer en fin de zone, donc je vais pas vraiment répondre à vos questions. Alors, j'ai dit que pour te spawn. Enfin pour te tuer, je te conseille d'aller plutôt là-bas si ça te dérange pas de te contester. Ensuite il y a ça. Genre en gros tu spawns là et tu fais soit une rota vers là-bas, soit une rota vers là-bas. Si tu rotas vers là-bas, tu essaies de choper une bulle ici. Mais t'auras pas grand chose comme stuff. Faudra qu'après avec ta bulle, t'essayes de bouger partout dans la map pour te trouver du stuff. Mais là après c'est à toi. Enfin, c'est à toi de trouver une petite rota. Ensuite il y a le spawn bulle ici gros. Le spawn bulle ici. Et aussi il y a un spawn bulle si tu veux savoir à Polar Peak. Ici. Ici là il y a un spawn bulle. Ici là il y a un spawn bulle. Ou pas trop loin, genre là. Voilà. Voilà tous les spawn bulles que je connais de mon côté grand.
What? Alors lui c'est ce qu'on appelle un imbécile. J'ai pas exprès de tomber en contact avec lui, c'est chiant. Non mais c'est grave. Ah dommage. Yes yes dommage. Tu penses qu'après les World Cup il y aura d'autres événements? Oui ils l'ont call Epic Games qu'il y aura d'autres événements. Ils l'ont dit qu'il y aura des événements toute l'année gros. Vous savez la World Cup c'est qu'un. Ça se peut que c'est un événement. Imaginez-vous que dans. Que après la World Cup, il y aura genre des gros events comme la Gamescom. Imaginez pour la Gamescom, paf. Ils ont mis 30 millions pour la World Cup. Imaginez pour la. Pour la Gamescom, genre ils peuvent mettre 15 millions les gars. Ouais je sais, j'ai my bad retype, t'inquiète. Benani, il y a déjà beaucoup de modos gros, je préfère pas en mettre plein parce que sinon tout le monde va me le réclamer après gros. Excuse-moi. Je reviens les cavités, j'arrive. Je prends de l'eau. Je vais aller voir s'il n'y a pas une petite scrim Atlantis. Non. Événement public, c'est-à-dire... Oui. Oui, Rotip, en gros, je t'ai dit, ils ont mis 30 millions pour la World Cup. Ils ont dû mettre quelques autres millions. On va dire qu'ils ont dépensé 50 millions à tout péter pendant ce début d'année. Ils ont mis 100 millions sur la table. Jusqu'à la fin de l'année, hein, seulement. Jusqu'à la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'il reste environ un bon 50 millions à use jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Donc 50 millions ça leur laisse des tonnes d'events à faire. Hein. Les skirmish, les fall skirmish, les summer skirmish qui vont revenir. Le winter royal qui est ce genre de bail, ils vont revenir hein, les gars. Dites-vous ce sera ça. Hein.
Il avait pas de build le coco. Non, je l'ai pas vu. Je pensais qu'il était monté. Bah, par contre, vraiment, c'est grave, hein. Genre, je suis rentré dans la pièce, je ne l'ai pas vu. Je pensais qu'il était derrière son escalier, hein. Dire un jour tu auras une quand j'aurai mon PC, je suis pas mauvais. C'est pas le fait que tu sois mauvais ou pas, ouais. Pourquoi pas un de ces quatre. Mais c'est surtout le fait que, genre, je joue rarement en arène duo. À part avec Louis Ross, de temps en temps, il est ma gueule. Hein. Mais ouais, pourquoi pas. C'est en train, Gums. Eh bien, on a encore mieux. Sandro, Claudie, Pierlot, Mage, Uniqlo, venez découvrir à SoWest des marques et des services exclusifs pour un shopping complètement inattendu. Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 20h30. Unexpected fashion, la mode inattendue. Plus d'informations sur SoWest.com. Je lance de l'arène, hein, les gars, vite fait. Y'a rien à faire d'autre. Comment est-ce que de l'arrivée de la squad en compète? Plutôt le retour que l'arrivée. J'ai fait une LAN en squad, j'ai fait pas mal de retours en squad et moi je suis ravi. Totalement ravi de ce retour parce que c'est un mode qui est cool à jouer quand même. Non, j'ai pas les PP grand. J'ai mon code créa etc mais ils m'ont pas donné les PP. Moi j'ai pris pour qu'on me remarque l'été prochaine semaine quand j'aurai mon PC, je kifferai rejoindre ce premier ou notre roster honnête. Alors retype, ah, en vrai si tu perf, ouais ça c'est envisageable hein, mais faut vraiment que tu perf pour rejoindre une team esport quoi, pour rejoindre une structure. Je connais pas du tout comme si. T'aimerais squad avec qui? Ouais mais ça dépend. Parce que tu veux dire j'aimerais squad avec qui? Avec des joueurs que je pourrais squad ou avec des joueurs que je rêverais de squad? Tu vois en mode ouais je PF des sabots des fois à lobby. Mais là je ne BF pas parce que je full train mon spawn block pour ce week-end. Voilà la raison de pourquoi je ne BF plus trop en ce moment. Quoi ça, je t'appelle le top 100 world, en vrai je vais me donner un max. Bah ça oui, Swiss, donne-toi des objectifs et une fois que tu les as atteints, essaie de viser plus haut. Mais je te souhaite courage en tout cas pour atteindre tes objectifs. Ça me ferait plaisir que tu le fais, que tu réussisses ton petit top 100. Bah alors tu me demandes, ouais que tu pourrais genre ma gueule etc et t'as donc tu veux les deux. Donc que je pourrais ma gueule, oui rose, ma gueule, oui rose et y a un mec que je pourrais prendre dans mon équipe genre que si je lui demande il pourrait accepter. Laisse-moi réfléchir parce que c'est pas une question facile en vrai hein, quand il réfléchit.
Hulk. Hulk parce que je sais qu'il a l'XP squad. Hein. Donc Hulk. Parce que c'est vraiment, enfin, genre je préfère squad avec des potes, avoir une bonne entente et perf. Voilà quoi. De bruit assez sur le jeu, mais un peu, mais impossible de peur. Ouais, j'avoue, t'as raison, Benani. C'est compliqué. J'espère pour toi, Retier, gros. J'espère que ça se réalise pour toi. Et après, ma squad de rêve, donc, genre vraiment, si j'avais le choix entre des joueurs, genre, je pouvais prendre n'importe qui. Ça repartirait sur un. J'aurais dit des anglais, tu vois, si je voulais vraiment être au top, mais je parle pas anglais. Du coup, ayant déjà joué avec Skite en tournoi, je prendrais Skite en premier. Je prendrais Kinstar. Et je prendrais. Je prendrais qui en dernier? Je prendrais Zayt, parce qu'il parle, il est québécois du coup il parle français. Voilà qui je prendrais. Bon après si c'est pas la même langue évidemment squad de rêve, je prendrais Savage, Mitro, Benji et moi. Et c'est pas la même langue du coup ça a rien tu vois. Je parle pas du tout anglais. Ouais, dites-moi votre pseudo, je peux vous ajouter, les gars. Mais je vais rarement jouer avec vous, du coup, enfin, à part pendant les moving zones. Du coup, ça me fait chier de vous ajouter si je joue pas avec vous, tu vois. Mais ouais, si tu veux, je peux t'ajouter. Je lis vos commentaires juste après le petit spawn, les gars. Robinho. Alors je pense pas que dans l'avenir il y aura des tournois à 1 million toutes les semaines. Mais je pense qu'il y aura des tournois quand même toutes les semaines. Parce que sinon le jeu va mourir en fait. Le jeu pour l'instant il est beaucoup tenu par rapport à l'argent que Epic ont mis en place. Donc s'il retire le. Il s'y retire l'argent qu'ils mettent en place, ça va être chaud pour le jeu. Il est un peu comme du coup. Tu joues PS4 avant d'ailleurs, t'as changé de PC car je me rappelle surtout quand tu disais que tu tournes à 20 FPS. Alors en fait, je suis en GH. Je suis au bootcamp Supremacy, gros. Dans leur loco. Ils m'ont accueilli une semaine pour la préparation des Worlds. Et du coup, j'en suis très très ravi et honoré. Et j'en profite pour stream tous les jours. Et je stream ce week-end sur leur TV pour la demi-finale et finale des World Cup. Pour les gens que ça intéresse, les gars. Pronostic pour la slot samedi, une mode qui va se qualifier. Alors là, franchement, des pronostics, moi j'en ai aucune idée. Là en solo, j'imagine que mon Graal et Mitro vont enfin se qualifier en solo.
Ça fait quand même 3 semaines qu'il stagne dans les tops. Mon Graal surtout, genre il stagne au début, il est premier. Et ensuite il stagne et il finit 40, genre. Mitro, il arrête pas de faire des top 20. Peut-être cette fois ce sera la bonne. Et là-bas, il y a un mec qui vient me jouer. Il joue à quoi lui? C'était juste pour ça, c'était pour faire une double round pour que le man se retire. Ça serait samedi ou dimanche. Ah, tu vas pas jouer la qualif Swiss? Ça fait de la peine pour que Zexo et Orange la semaine dernière. Bon, c'est pas des personnes que je regarde souvent, mais pour soutenir la commune FR, c'est vrai que ça me fait chier pour eux. Parce que finir à cette place là, enfin, même nombre de points que celui-là qui est qualifié, tu vois, ça fait mal au cœur. Surtout qu'ils ont bien joué le top, ils ont juste été devant parce qu'ils ils sont récompensés par rapport au kill. Et ça, je trouve ça assez cheaté. Type. Alors qu'est-ce que j'ai écrit dessus au fait la squad va revenir quand je sais pas si... Alors ça j'en ai aucune idée, c'est quelqu'un dans le chat qui m'a dit ça. Donc voilà. J'en ai aucune idée d'où il tient sa source. Tu veux te fight lui? Allez viens te fight. Tu veux te fight toi non? Et pas se fight. Y'a des petites lopettes là dans ce mode les gars là. Personne qui veut se battre. Nobody pour se battre. Non. J'ai même pas de nouveaux pompes en plus. Allez, venez vous battre dans les gars. Y'a pas un man à se battre. Ah ouais, ça, regardez. T'as vu ça? Non. On vient ici. Ouais, il fait un arme. Y'a un mec là-dedans en plus. Ah, y'a des mecs partout les gars. Ça va déglinguer les Chibrax. Ils mettent des vidéos sur leur chaîne, des... Non, non, du tout. Ils mettent pas des chaînes, ils mettent pas des vidéos. C'est grave. Non, dommage, deux fois. Vous voyez là, j'avais un nouveau pompe, je le tue. Hein. Je vous dis vraiment, le nouveau pompe est 100 fois supérieur à celui-là. Hein. Là, je lui mets deux balles à 80 environ, 70-80. Je le tue. Parce que j'ai un auto, en fait, ça met que des balles à 50 si t'as plus d'un carré de distance.
Ouais, tu il va avoir Camo qui mitro mon cœur, les deux moi. Tiens, vous imaginez, je me qualifie, c'est un truc de frère. Pour l'instant, je pense pas que Solaris sont dans l'optique de recruter des manettes. Vraiment, je pense que c'est pas du tout dans leur objectif. Ouais, j'ai envie de t'écouter du moins. Du coup, ouais, non, je pense pas du tout. Y'a qui comme autre joueur manette Califo World? Les joueurs manettes Califo World, y'a Destroy, un joueur Ena. Y'a qui d'autre? Y'a Destroy, y'a Issa, y'a Lecce du coup, en U c'est tout, y'a que deux joueurs manettes qualifiés en EU. Et en ENA, y'a Destroy et c'est tout hein, je crois les gars. Je pense pas que Jarvis s'est qualifié, pas encore. Par enfin, le FaZe là, même pas encore, même pas du tout. Y'a peut-être un mec de chez FaZe, un autre mec de chez FaZe, je sais pas du tout comment il s'appelle. Mais un duo de chez FaZe manette très très chaud. Swizz, j'étais MJ pendant 2 semaines, Swizz. Ouais, chez Irune. J'étais MJ à structure, hein, j'étais pas MJ à école. Hein. J'ai pas l'esprit de Liv Swiss. En vrai, si on trouve pas rapidement une gamme, je pense que je vais aller déco et aller m'endormir tranquillement sur du Game of Thrones, les gars. J'ai commencé Game of Thrones. J'ai commencé hier là. Pour l'instant, c'est vraiment cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, ceux qui l'ont vu. Et pour l'instant, je trouve ça vraiment très sympa. Je sais pas, vous en pensez quoi, votre Game of Thrones? Faut plus de jeux manettes ou World qui nous représente. J'espère, hein. J'espère qu'on sera plus. Ouais, je me doute, mais je suis là, puisque. Il y a aussi E11 Eurotype, il y a E11 Agolor. Il y a qui d'autre ensuite? Il y a qui d'autre en tant que structure manette? Laisse-moi réfléchir, gros. Je vais regarder les structures. Atlantis, du coup, y a. Il y a une structure espagnole. Non, même pas, elle est pas grosse la structure, du coup, ça compte pas vraiment. Et ouais, sinon, c'est tout, je crois. Il y a santé aussi, je suis pas sûr. Ouais, retype, c'est vrai. Il y a que. Channel moved.
Oui, c'est un manette le mec Diz. Diz Fanta, c'était manette. Bah là je suis tout seul à la cherche gros. Mais sinon la semaine, enfin, on se voit le week-end et à part pour manger, non, on sort pas. Hein. Si on vient en bout de camp, de toute façon c'est pas pour aller en boîte. Hein. Ouais Bispice, je joue environ 8h, 9h par jour. Voire plus. Spotify Premium n'est qu'à 99 centimes pour 3 mois. Cliquez sur la bannière pour en savoir plus. Je viens de recevoir l'invitation pour la Controller Cup du coup. Ah, non, putain, il y a une clé. En vrai, je préfère quitter et aller tester la clé là. Si jamais la clé elle marche pas, les gars, je vais arrêter un peu parce que ça me saoule. J'ai envie de faire des scrims là et non de l'arène. Elle marche nickel. En tout cas, ce sera une PP, les gars. Le code c'est TOMOCODE. TOMMOCODE. TOMOCODE. Comment je suis pas modo? Bon, bispézé, je te mets modo, mais c'est le dernier que je mets modo, les gars. C'est le dernier parce qu'après il y en aura vraiment trop. Déjà que j'ai refusé Benani. Non, je connais pas Arotype. Ça me dit quelque chose en pseudo, mais je ne connais pas. Ouais, désolé Banani, mais Bispus c'est un mec que je connais depuis pas mal de temps, genre depuis les squads snipe et tout. C'est vraiment le dernier modo que je mets parce qu'après sinon il y en aura trop. Chaque mec sera modo, c'est pas cool. Comment un type au cup manette? Faut avoir déjà perf, donc Rotip, enfin, je peux suggérer au parti, enfin au dirigeant de la cup. Dis-moi t'es top et je peux à la limite, je peux essayer de t'envoyer une invite. Si t'as déjà perf un peu ou quoi. Mais si t'es sur PS4, si Rotip de ton côté t'es sur PS4, ça sert à rien. Mais si t'es sur PC, ouais, je peux essayer de choper une invite, mais. Ouais les gars, je me focus sur mon drop. Je désactive le chat même. A toutes. J'ai éteint mon double screen pour le. Enfin, j'ai détourné quoi. Je veux pas regarder le chat parce que me connaissant, je vais regarder le chat. Bon, moins 70. Franchement, j'en ai marre qu'il me donne cet air. Hein. Là, il m'aurait donné une scar, le mec, je le rushais. Hein. Là, il va pouvoir aller, là, il va avoir le temps de trouver des bandages, des mini potes. Thank you.
Allez. Mais non, ça c'est grave ça. On va prendre bien mon temps les gars, n'hésitez pas hein, par exemple là dans cette situation là, prenez bien votre temps. Ouais, je vais rallumer le chat parce que normalement les mecs n'ont plus le droit de venir me tuer. Regardez là, je t'en invite dans une cup. Alors regarde, ça va être une cup only manette. Si vous avez déjà perf et que vous êtes sur PC, je peux effectivement essayer de vous décrocher une invitation. Effectivement, je peux. Je peux essayer. Si vraiment vous avez pas perf, ça sert à rien, je vais pas aller DM le mec si vous avez jamais fait de perf. Je pourrais peut-être lâcher une invite à un pote, tu vois, grand max et encore. PS4 tu peux pas, alors PS4 tu peux, mais en gros ça sert à rien que tu viennes jouer la cup. Si t'es sur PS4 et que tu veux jouer la cup, c'est genre ça te sert à rien hein. Tu vas avoir 20 FPS fanzone gros. Il y aura des très très gros joueurs, du coup il y aura des très très grosses fanzones. Du coup ça sert vraiment à rien que j'essaie de dégoter une invitation pour Quand j'ai des perfs c'est combien à peu près? Bah c'est à dire des top 100, des top 200 en solo, au moins 3 semaines sur 6 quoi. Ou 2 semaines sur 6. J'ai mon pote Nidler, il arrêtait pas de perdre le ménage, je te dirais il va t'aider. Ok. Et bah il m'envoie les scores, il m'envoie ses scores. Je les transmets au dirigeant de la cup. Et ce sera à lui de trancher s'il le prend ou non. Je vais tout faire pour être en sa faveur mais je peux rien garantir les gars. Alors là c'est simple, il me faut une Thompson. Thompson bleu. Non. Bon les gars, allez. Il me reste ce bâtiment là à fouiller. Alors, ok, là je suis sur play, mais j'ai une prise PC qui avait fin de zone et je bug pas, j'ai été payé 200. Tu peux... Ah, oui, non, mais je parle de bug FPS. Grâce à... Bah, merci, au type. Il y aura les ghosts à la cave spéciale manette. Et bah, justement, on est en discussion avec certains ghosts. Enfin, pour moi, ils sont en discussion. Aïe, ah, retype de main, coup dur pour le level. Y'a un mec à côté de toi. Oui, mais on a parlé de ce shoot, gros. On a les règles, enfin d'après les règles, c'est on a plus le droit de se chill à partir de la sortie du spawn. Mais là, mon souci, c'est que j'ai pas de pad. Mais bon, j'ai quand même 6 fantômes, du coup, je suis pas à plaindre. Mais du coup, ils ont remis le véhicule là. Ça veut dire que là, il y a des gens qui vont jouer bulle en fin de zone.
C'est quand la cup? La cup, c'est vendredi, je crois. J'ai à peine rejoint le Discord, j'ai pas lu les règles, j'ai rien lu. Mais ouais, normalement, d'après les règles, c'est. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, c'est vendredi. Et il y aura des lots à gagner, je pense pas qu'il y aura. Je sais pas, il y aura quoi à gagner, mais. Vu que les inscriptions sont ingrates, enfin, les invitations, elles sont gratuites, tu vois. Les inscriptions, on va dire. Et bah, s'il peut y avoir un truc à gagner, ce serait toujours cool. Et au moins, ce sera un bon truc pour train. Tu fais quel scrim? Je scrim les Atlantis. Au con, vendredi, on a cours au HMD. Oh non, mais vendredi soir. La cup, elle va être sûrement vers 20h. De 20h à 23h, quoi, environ la cup. Ça va être 5 games. Je pense. Comme joueur connu. Eh bah, je n'ai aucune idée pour l'instant, les gars. Il y aura les meilleurs joueurs français manette. Les Supremacy. Les mecs comme Lowzy, sûrement. Nashi, ce genre de gens. Emir. Etc. Mais après, j'en ai aucune idée. Ouais, j'en ai aucune idée après. En même temps, Bisweez, je sais pas s'il va t'inviter parce que. En gros, ils veulent vraiment faire par rapport au perf des joueurs et non par rapport aux potes, tu vois. Si Bisweez t'as pas réussi à perf ces dernières semaines, tu vois, il va pas vouloir t'inviter. Je suis en bac le 29 mai. Le 29 mai, c'est dans pas longtemps, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est ça, gros? Non, c'est dans 1 semaine, du coup. Ça va, c'est dans pas longtemps. C'est bien. Tu vas pouvoir profiter de Fortnite à fond ou de tes copains, etc. C'est cool. Bon, on va devoir perf. Ouais, c'est ça. Ah, les gars, vous perfez, de toute façon, tout arrivera vers vous. Le souci dans Fortnite, c'est qu'il faut perf pour avoir accès au stream. C'est malheureux de dire ça, mais c'est vrai, hein, les gars. Même moi qui a perf un minimum, genre, j'ai même pas accès au stream pro de Kingstar, par exemple. À un moment, il y avait eu la Lightspeed Cup, c'est la Cup Solari. Elle avait été stream, elle avait fait 10k viewers, etc. On a fait top 9 à Sepcut sur 50, sur les 50 meilleurs duos du moment qu'il y avait en Europe. Donc, top 9, c'est énorme, tu vois. Et bah, j'étais DM Boyer, ma snob. C'est les gars, faut être connu ou faut avoir fait énormément de perf. C'est comme ça, les gars, pour avoir accès à des scrims. Dites-vous que même moi, je n'ai pas accès à tous les scrims mondiaux. C'est dommage à dire, mais bon, c'est comme ça, les gars. Bro, t'as pas une map pour Train les Edits? Alors, j'ai pas de map pour Train les Edits, mais en ce moment, moi, je fais beaucoup. Enfin, depuis le début du jeu, je fais beaucoup. Soit les Edits Map, le bouseux, comme beaucoup de monde. Ou je peux te conseiller aussi les Edits Map de Skizox, etc. J'ai mis la touche pour edit. Ah oui d'accord, stop, j'ai pas vu ton pseudo Omega, ok. Ok. Je peux lire enfin un peu vos commentaires beaucoup plus. Ouais, je vois, t'as pas une map pour le traîner. Faut pas jouer avec Emir en Moving Zone et dire il reste en haut toute la game, il se permet de. Ah bah, c'est chacun son style de jeu, hein. D'accord, mes gars. Bah, bonne chance pour t'entraîner ça. Faut ça à côté des geysers. J'ai pas besoin, t'inquiète, je vais Mix Zone et j'attends la prochaine zone parce qu'on a pas encore le droit de se tchal. T'inquiète, sinon je me serais pas mis Mix Zone comme ça, j'aurais été me placer à côté d'un geyser ou d'un tube d'air. Là, je vais move, je vais aller au tube d'air. Je sais pas, fluide de fou, mais ça va. Mais merci en tout cas. Ouais, bah en vrai, juste bonne chance à toi pour train, hein, gros. Parce que quand tu touches des dits, mentalement, ça te casse les couilles. Non, c'est qui m'a mis une balle. Non, il est relou le mec qui m'a mis une balle. Pas des petits champis par ici.
vous pouvez fight quand la prochaine zone. Non mais j'ai pris une balle, genre ça casse les couilles ceux qui font ça. J'ai envie d'être meilleur. Ah bah c'est sûr que en vrai la rage d'être meilleur, y a rien de meilleur, hein. Y a rien de mieux gros. L'envie de gagner. C'est good ou pas? Bah non, que ça. Ça ouais bah j'ai aucune idée gros. Essayez de me démec vos pères. Mais moi je peux rien vous garantir. Hein. C'est quoi qui fait ça? Je me souviens quand t'as été voir une de mes vidéos retype. Ah bah moi quand je tombe sur des vidéos retype je les regarde si c'est intéressant, tu vois, c'est cool. Si je t'avais dit un commentaire méchant je sais plus. Mais ouais, dès que je vois une vidéo je clique, si j'aime bien je commente, si je lâche un like. J'aurais dû lâcher un like sur ta vidéo. Si ça me plaît bien je regarde. J'ai l'impression que mais ah ouais mais c'est dit bug parce qu'on a le bug ping, ok. T'as level up quand t'es passé PC. Ça c'est une certitude que tu level up quand tu passes PC. Mais la vraie raison de ton level up, c'est ton envie de grind. Quand tu passes sur un PC à l'époque officier. Quand tu passes sur un PC, tu pouvais changer ta résolution gros. Tu pouvais train. Tu pouvais faire des fan zones avec un peu plus d'FPS. Tu pouvais aller sur TS. Donc je peux te dire que ton envie de grind était plus présente que maintenant, tu vois. Ouais, non mais après la rage d'être meilleur ça peut être négatif. Parce que tu peux commencer à penser qu'à ça, à faire que ça, tu vois. Alors c'est pas bon non plus que de faire que de jouer, mais en soi normalement c'est que du positif. Les edits ils bug. Vu qu'on a encore 60 là-dedans, les edits ils bug. Là c'est la castagne là les gars. C'est la tête de moi, ma vidéo si pour réussir sur le stream. Ouais exact exact. Je me rappelle type. Bah j'espère que je t'avais rien dit de mal. Comme de moi même je crois t'étais hors de toi, t'avais le skin le plus hors du jeu. J'avais juste la Renegade à moi. J'ai jamais eu la Recon Expert ou quoi. Mais oui c'était moi hors de. D'ailleurs les gars n'hésitez pas à vous abonner et aller voir ma dernière vidéo. Elle est sortie il y a 1h30, c'est le scrim où je tue Martos en avion. Où je fais un petit top 1 en Atlantis comme dans ce genre de game là. Et franchement elle était super cool la game à jouer. Voilà. Ah d'accord, type bah je t'encourage encore hein, vraiment hein. J'espère pour toi que ça va marcher. Hein. Franchement continue, persiste et... N'oublie pas le prendre du plaisir à jouer. Hein. Voilà, parfait, j'ai mis des dégâts pour la storm, c'est nickel. Je donnerai tout ce que si je donnerai tout. Si j'en ai un, là, je peux faire... Ah oui, tu veux dire de PC. Ouais, tu peux pas. Ouais, bah. Ça dépend plus que toi, gros. Hein. Soit t'as des parents riches. Soit t'économises hein. Soit t'as des parents ouvriers et tu dois attendre les Noëls et tes anniversaires gros. C'est tout ce que... What? What? Ok, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Si c'était un skin meuf Renault en sang blanche, si c'était un gars il aurait fait son cours à toi. Il a failli. Oui là c'est un bon move d'aller prendre la faille les gars parce qu'il reste 6 secondes. Et je peux wait en l'air et aller me placer. Parce que le tube d'air là dans 5 secondes il est plus actif.
Donc là vous voyez, je peux aller me placer directement en zone. Leur tour elle tient que sur un carré. Mais il était où? Je l'ai pas vu. Oh non. Non, je l'ai pas vu. Oh les gars, putain, 15 minutes de farm pour ça, franchement, je l'ai pas vu, mon move il était bon. J'ai tout fait bien, je me suis caché dans la pyramide. Oh non, tout ça pour ça les gars. J'allais pouvoir jouer une Phantom, j'avais 6 fantômes les gars, ça me saoule. Voilà, je l'ai tenté ce move. Ce move là, le tentez pas, hein, les gars. Ce move là, ce week-end, ne le tentez pas. Mais ce move là c'était une erreur en soi si vous le faites ce week-end, mais là je tente des moves, m'en fous. Mais c'est vrai que d'avoir farm 15 minutes pour ça, ça me fait assez chier. Bon bah les gars, moi en vrai je vais vous laisser sur ça parce que là l'arène ça va prendre trop de temps. Je vous remercie tous d'être passés sur mon stream. Je vous invite tous à vous abonner et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Et voilà. Bah je vous souhaite tous une bonne nuit et bon courage pour ceux qui bossent demain. Allez les gars, bon courage pour demain et bonne nuit les gars. A demain, à plus.